De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Magie seulement. À Cambassé, il cherche la police à la maison, il ne trouve pas trop à faire. Moi. Toi aussi, Michel, si il prend ta chose, qu'est-ce qui va se passer? On se connaît. Ah, maman, regarde comment ta peau est douce, il sent que la clim s'y est. Maman, elle est éclaircie même déjà. À Cambassé, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Voilà, Michel, tu sais que j'ai toutes les choses un genre. J'ai un dur rendez-vous avec un dur monsieur là. Il a la voiture climatisée. Tu as le diable pour le tout, c'est ma petite soeur. Pourquoi je suis venue pour que tu me mettes alors un peu les ongles? La cabine est libre. Va te faire enregistrer comme ça on te prend en salle. Enregistrer. Tu passes à la caisse, non? Comme ça, on te prend en salle. Ça tombe même bien parce qu'il y a personne là-bas. Michel, donc tu travailles ici là, moi, ta petite soeur, je vais venir payer. Je paye là où tu travailles, tes privilèges, tu fais quoi? Tu fais quoi de ça? Les avantages de service, on ne te donne pas ça ici, tu ne connais pas ça, on l'utilise seulement ici. Michel, pardon, tu es la seule personne qui peut m'aider. Tu vas partir là-bas, voir le monsieur avec les enfants, ça donne, pardon. Je n'ai pas l'argent, prochainement je vais payer. Kamba, tu penses que ici c'est la concession familiale que tout le monde entre, sort comme il veut? Ici là tout se paye. Passe à la caisse, tu règles ta facture comme ça on te prend en salle. Et tu ne pouvais pas me dire ça le matin à la maison? Si tu me disais ça le matin, je te prenais à la maison. Kamba, tu sais quoi? Ici, là, c'est mon lieu de service. Quand tu viens ici, c'est pour une prestation. Si tu ne veux pas payer, tu restes là où tu es. Je sortais ce matin, pourquoi tu ne m'as pas demandé de te faire ça? Les ongles que tu vas me mettre ici, là, ce n'est pas comme ce que tu vas me mettre ici. Ici, il y a la clim. C'est beau, regarde. Qui veut me filmer, veut se mettre sous mon statut. Mes amis, il faut aussi voir, ils vont croire que je suis quelque part où j'ai l'argent, non. Mais toi, tu veux me quoi? Tu veux me faire ça, la roca? Je sais pas. Akamba, ne m'énerve pas souvent. Hein. Ici, là, c'est mon lieu de service. Et ça, c'est la réception. On ne permet même pas aux employés, encore plus moi, qui suis apprenti, de s'asseoir ici, là. Même si il n'y a pas l'argent, je règle la facture. Hey, en tout cas, quand tu as fini de payer, tu me retrouves en salle. Tu pars. Michel. Bah, on va te laisser ce bonbon. Tu n'as pas on va laisser. Il faut tout faire pour qu'on me prenne dans le snack là. Non, on va te prendre. L'ambiance était. Je sais pas. Oh.
Voilà, comment ils font pour ne pas te charmer ici? Et d'abord, comment tu es fan, ton cos, payant. Avec charisme d'abord. Waouh! Le way de l'heure. Waouh, ici. Ting. Attendez un peu les gars, je vous dis que ma grande soeur Gabaté, je vais vous retrouver. Je vais vous retrouver, non. C'est quoi, vous voulez me mettre dans les problèmes? Je vais vous retrouver. Ok, ici on a ya. On se prend. Ok, after all, ici. Hey, Michel, c'est chez quoi la maison? Merci. Je vais faire comment maintenant? Je vais dire quoi? Bon appétit, Jean. Merci, meilleur à toi. Dis-moi, chérie, comment ça se passe la formation? Est-ce que tu maîtrises déjà des choses, tu vois? Explique-moi un peu comme si j'étais ton élève. Hein? Ouais, bébé, pardon, ne me tue pas, s'il te plaît. Bon, bref, aujourd'hui, ce que j'ai appris durant la formation, j'ai appris à faire du shampoing, c'est-à-dire se laver les cheveux et faire la mise en pli. Wow. C'est-à-dire monter le rouleau, le défaire et ensuite coiffer comme tu veux. Waouh! Mais ça va très vite, hein? Tu vois, je savais que tu es trop intelligente. Tu es intelligente et belle. Voilà pourquoi je me bats vraiment pour que tu réussisses. Merci, chérie. C'est vraiment encourageant. Rien. Et toi, ta journée, ça a été? Bon, écoute, je suis en train de quotidien. J'avais des clients à livrer et puis, bon, de nouveaux clients à conquérir aussi. Donc, sinon... Il y a juste des recouvrements, tu vois, qui dérangent un peu. Et on a des clients. Mais chérie, dis-moi, tu as beaucoup plus travaillé de quel côté de la ville aujourd'hui? Ok, les serveuses étant occupées, je peux prendre votre commande? Il y a quoi au menu? Nous avons du poulet au fines herbes. Ouais. Et du bar à la sauce forestière. Et le complément, c'est quoi? Riz planté. Je veux du riz poulet. D'accord, madame. Et vous? Je mange comme madame. À la place de Limbe, je serai ton gosse. Ah oui. Je vais te faire découvrir la plage au sable noir. Merci, mon chéri. Ah, tu me fais découvrir beaucoup de choses. Mais je ne comprends pas. Hein. C'est quoi ça? Il est bon ce repas, chérie. C'est oui. Mais essaye de terminer ton plat. Tu manges pas? Oui, il est bon. Il est très bon. Mais chérie, on dirait que t'es plus avec moi là. Non, je suis là. T'es sûr? Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Ah bon? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ne recommence pas, s'il te plaît. Vraiment? C'est déplorable. Donc, pourquoi tu es là, je te parle, tu n'es même pas avec moi. Ne recommence pas, s'il te plaît. Hey, arrête ça. N'importe quoi. Et tu vas où, là? Donc, comme ça, tu me suis dans toute la ville. De tous les restaurants qu'il y a ici dans Douala, ce n'est qu'ici que tu as trouvé pour venir manger avec ton gigolo de gars. Vraiment. Arrête, chérie. Arrête-moi ça vite. Donc, tu as fini de collectionner tous tes gigolos là. Maintenant, c'est avec mon arrête, gars que tu es. Ça va. Piqueuse de nectar. Alors là, c'est fort, hein? Ah oui, c'est comme ça.
À chaque fois que ma belle-sœur me voit, elle me frustre. Elle m'affiche. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mais chez amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.